Salut tout le monde, yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver les gars aujourd'hui pour une session live. J'espère que par de... Oh, c'est quoi ça? Désolé pour ma tronche parce que je ressors d'une sieste. Le pire c'est que j'ai vraiment... La vie de ma mère, hein, je vous le jure. Le pire c'est que j'ai vraiment super bien dormi. Je sais pas, je me suis levé. Encore de ma faute, hein, c'est de ma faute. Je me suis levé, j'avais faim, j'ai mangé. Et je suis parti me recoucher. Donc désolé pour ma tête, désolé pour ma sale tête de merde. Vite fait, pour info, je vous le dis tout de suite encore, FIFA c'est mort. Hein, je vous le dis tout de suite, je vous le dis en toute franchise. Je crois même que je vais le désinstaller. Je vais le désinstaller. Et je vais le racheter sur le site EA. Donc ça veut dire que je vais le désinstaller de Steam. Je vais acheter l'édition... je vais acheter l'édition spéciale, c'est celui qui coûte un peu rush, tu vois. Comme ça, au moins, j'ai quelques packs, et comme ça, là-bas, j'aurai pas de problème. Parce que là, frérot, j'ai un compte FIFA où je peux même pas mettre des crédits, je peux même pas acheter des points. Enfin, si, je peux acheter des points Steam, mais je peux pas acheter dans la boutique, donc c'est mort pour ma gueule. Donc, en gros, mon jeu sur Steam, il est vraiment full buggé. Je peux faire des matchs, je peux faire des trucs, mais si dommage, si aujourd'hui j'ai envie de faire un draft en ligne ou un draft en solo, comment je fais? J'ai pas de jetons. Pour les gens qui n'ont pas été là, hein, pour les gens qui n'ont pas été là, qui maintenant aujourd'hui découvrent, 3 top 2 hier. Hier on a tapé 3 top 2, c'est un truc de ouf, je te jure. Clara, 3 euros, petit deux doigts sur ma pêche toute lisse en pensant à toi visage qui bave. Clara, espèce de sale... Yo, ma plateforme pétrolière, ça va? Cœur, 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 j'aime la... Big Cock, ferme ta gueule, s'il te plaît. Commence même pas, s'il te plaît. Hein. Commence même pas sur ce registre. Commence même pas à me casser les couilles. Gâche pas ma bonne humeur. T'aimes les... Anonyme, c'est quoi ces questions? Attends. C'est quoi ces questions si j'aime les... Ça va pas ou quoi? Commencez même pas sur ces... sur des questions comme ça. Est-ce que t'aimes ci, est-ce que t'aimes ça? Réponds... Non, je réponds pas. Je réponds pas parce que c'est une question, il faut avoir du recul. Je vais pas te dire non, j'aime pas les... T'as des prostituées qui exercent ce métier parce qu'elles ont pas le choix. Ça fait pas d'elles des... Elles ont pas le choix, elles sont obligées de se prostituer. Elles ont eu des enfants, elles ont eu deux enfants, le mari l'a abandonné. Elles se retrouvent en galère. Elle a ses factures, son loyer, les crédits. Son boulot lui suffit pas, forcément, bah... Une mère, elle ferait tout pour son enfant. Une mère, elle serait capable de se sacrifier pour son enfant. Tu vois, c'est pas ça qui va l'arrêter, une femme. Hein. Si elle doit donner son corps pour nourrir ses enfants, bah, elle le fera. Parce qu'elle aime ses enfants. Elle ferait tout pour ses enfants. Donc oui, il y a des prostituées que je respecte. Parce que c'est pas facile pour elles. Tiens, tu crois trop les meufs qui se prostituent, qui se lèvent le matin. Wouh ! Chouette ! Je vais me faire défoncer la rondelle. Elles aiment pas ça, hein, mais elles ont pas le choix. Ça se trouve, ces femmes-là sont serveuses à côté, elles font du service, c'est dans des restaurants, ou je sais pas, ou elles font du ménage. Et à côté, bah voilà... Il y a Khalifa qui est écrit. Après, heureusement que j'ai dit qu'il y a deux catégories. Hein. Elle, c'est même pas de la prostitution qu'a fait, c'est du... C'est deux trucs différents. Enfin, pour moi. Waouh ! Jure-le ! Les gars, tous des cœurs dans le chat, ils le méritent. Cœur. Waouh, merci beaucoup, coeur. Frérot, pour les 50 euros. Jure-le sur la vie de ta mère, tu me donnes 50 euros comme ça. Waouh, je te fais la bise, mec. Hein. Merci, hein, t'es trop gentil. Les gars, ça se trouve, hein, à la OLM, hein, je le souhaite pas parce que c'est pas bien. Mais ça se trouve, là, il y a l'un d'entre vous, il y a peut-être une daronne, vous le savez même pas. Des fois, elle va te dire, vas-y, chérie, en parlant de toi, tu sais, son enfant. Je vais aller au travail, bah maman, d'habitude tu commences pas à 11h, tu sais, d'après-midi. Ah si, aujourd'hui je commence tôt parce que je fais des heures sup. Les heures sup, ça se trouve, la pauvre va partir à gauche et à droite, faire ses trucs, et ensuite elle va dans son vrai boulot. Jamais, ta mère, elle viendra jamais te voir en te disant, chérie, j'ai deux boulots, je travaille dans la cuisine et à côté je donne mon huc. Non, ça peut t'épargner de tout ça et voilà, c'est cool, elle le fera. Attention, hein. Certains vont dire, ouais, moi, ma mère, impossible. T'en sais rien. L'être, pour moi, l'être le plus fort dans ce monde, c'est la femme.
La femme, elle est trop forte, et en plus d'être trop forte, elle est dangereuse. Nous avons une demande d'amis. Elle est dangereuse. Yo, TK, j'espère que tu vas bien, papa ours. Cœur, une dédicace, s'il te plaît. Ça va, merci, je te remercie, Sucetler. Et si demain va te briser le cœur, elle te le brisera. Sans même que tu t'en rendes compte. Si je vous le dis, c'est pas pour rien. Nous, on fait trop les mecs forts, les mecs... On est fragiles. Une meuf, elle aura plus de facilité de trouver un mec qu'un mec trouver une meuf. La meuf, elle a juste sorti... La meuf, elle a juste à sortir sa tête par la fenêtre, faire... Wouhou! Tout le monde monte. Toi, tu fais ça... Devant ta fenêtre, ils appellent les hnouches, hein. Ils appellent les keufs. Y'en a un qui est en train de crier, là. Il arrive quoi? Enfin bref, là, parce que tout à l'heure, je parle de meufs, c'est... Mais faut les respecter, je te jure, les meufs qui se prostituent, là, c'est pas facile pour elles. C'est pour que cela, au final, bah, l'enfant manque de rien, il a ses petites chaussures, il a ses habits, quand il fait froid, il a son écharpe, il a ses gants. Le gamin, il sent bon, il est parfumé, il est douché, il manque de rien, il mange à sa faim. Pour une mère, ça suffit amplement. Et pour ça, elle serait capable de donner n'importe quoi. Yo TK, juste pour dire que moi aussi j'ai connu une prostituée aussi qui était venue à notre école et qui a raconté son histoire. Elle a dit qu'elle voulait nourrir ses enfants et s'occuper de sa famille en fait. Genre elle a dit c'était pour nourrir son fils. Elle s'est présentée en plus, elle disait que ça s'appelait Aïcha. Ça le fils d'Up, je savais. Aux jeunes, merci infiniment. Je t'adore. Merci beaucoup Jade Mirilit. Ah non putain, je me fais baiser. Aux jeunes, merci infiniment, ça fait deux fois que tu me déclenches Ghost. À la base, je demandais juste si tu aimais les... Ouais, mais au moins, t'as vu, j'ai bien argumenté. Ça te permettra aussi, toi, d'avoir un point différent que ça, tel d'aujourd'hui. Ça se trouve, avec tout ce que je t'ai dit, ça se trouve, ta perception, ta vision des choses sont justement, comme tu dis, elle a changé, c'est cool. Faut pas que tu te laisses engrainer par les gens qui disent, ouais, de toute façon, les meufs qui font ça, c'est tout. Non, elles ont leur raison, frérot. Mais il lui arrive quoi, lui? GTX, Yorn, mais tu vas la fermer ta grande gueule. Mais j'ai rien dit. Taré, lui. J'ai rien dit, tu me dis tu vas la fermer ta grande gueule. Je banalise rien du tout, hein. Les mecs, ils disent, ouais, tu défends les prostituées. Oh, je suis en train de dire, il y a deux catégories. Oh, vous croyez tous que les gens qui se prostituent, c'est tous... Elles ont le choix. Les gars, faites attention à ce que vous dites, c'est blessant pour une meuf, hein. Le jour où vous allez savoir que votre mère se prostitue, vous aurez pas les mêmes arguments. Vous lui demanderez, mais pourquoi maman tu fais ça? Elle va te dire, bah vas-y, bah va ouvrir ton frigo. Faut travailler comme tout le monde. Mais Freemax, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? En fait, vous voulez entendre uniquement ce que vous voulez entendre. Il faut travailler comme tout le monde. Il y a des femmes qui travaillent à côté. Mais comment elles font si ça leur suffit pas? Comment elles font quand t'as trois charges, trois gosses en charge? Un loyer à payer, le mec il t'a tout laissé. Facture, dette, comment tu fais frérot? Réponds-moi. Allô, Jawad, bientôt 40 piges, je sais pour quand les enfants. Pas pour l'instant. Comment elle fait? Elle te dira, va ouvrir le frigo, va voir ton placard. Salut TK, je suis malade. Visage malade. Force à toi mon ref. Petite dédie s'il te plaît. Force à toi Titi. Force à toi Titi, plein de bonnes choses. C'est là que tu lui diras, ah oui, effectivement, y'a rien. Et elle te dira comment on fait. Elle t'enverra jamais travailler ta daronne. Ça sera la première à te dire, suis tes études. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Même s'il faut donner un rein, même s'il faut me donner mon cul, pour que tu puisses vivre, survivre et poursuivre tes études, et bah je le ferai. Je t'ai mis au monde, c'est pas pour que tu travailles pour moi, je t'ai mis au monde parce que je te voulais. Je te voulais parce que je t'aime, je veux que tu réussisses. Je veux pas que tu deviennes comme ton père, je veux pas que tu deviennes comme ta mère. Faut penser à tout ça les abonnés, attention hein. Surveillez votre langue hein. La langue humaine elle est très dangereuse, je vous le dis tout de suite hein. Joe Lopez le vrai la castagne, 6€, je vends un berlingot gris et Iveco de 2019 le tout 120 000€. On s'en fout de ta putain de voiture de merde. Je le savais. Le mec il est bien resté caché hein. Non encore une fois, moi si j'ai de la compassion pour ce genre de femme, imagine-toi le bon Dieu hein. Parce qu'il y a que Dieu qui lit dans les cœurs des personnes. Il y a que Dieu qui va lire dans les cœurs des personnes qui se prostituent. Pourquoi elles font ça? Franchement, des fois, la vie de ma mère, les gars, votre langue, faut... C'est comme des pneus, hein. Faut les changer. Quand c'est trop usé, il faut changer, hein. De toute façon, moi, j'irai pas dans votre sens, hein. Moi, j'ai mon point de vue. Il est personnel. J'ai argumenté avec mes propres mots. Javel sans frontières, 4€. Mais sinon, elles peuvent aller travailler à l'usine, c'est légal.
Ouais, non, c'est pas grave, là, c'est pas grave. T'as des femmes qui travaillaient encore une fois à l'usine. Tout à l'heure, j'ai sorti l'exemple de la cuisine ou serveuse. C'est quoi, ça? Chargé, 15 euros, yo ticket, ça va. Spammer des fruits pour ticket dans le chat. Mais ouais, c'est quoi, ça? Putain, j'ai écrit un message à Zinclero parce que oui, même lui, il commence vraiment à me sortir par les oreilles. Tous les jours, il rajoute des filtres. Ça sert strictement à rien. Le pire, c'est que j'en ai lui parlé. Allez, viens par mois, on met 3 nouveaux filtres par mois. Lui, c'est tous les jours 3 filtres. Ça va changer tout ça. Ça m'énerve, ça me gave aussi. Hein. Mais ta gueule, Goebel. Elle, au moins, elle a une vie de famille. Elle. Javel sans frontières, 4 euros. Ah bah, on sait maintenant où va l'argent des dons non cochons. Mais ta gueule. Oh les gars, c'est pour faire des trucs comme ça, me posez plus de questions, hein. Si vous tombez sur des streamers, FIFA ou GTA, ce que vous voulez, qui vous tutoient, les meufs qui se prostituent, c'est votre problème, c'est vos oreilles. Après, c'est entre vous et Dieu. Moi, j'ai ma vision des choses. Imaginons, j'aurais dit le contraire, sincèrement. Imaginons, j'aurais dit, ouais, les prostituées qui se trucent là, il faut pas les calculer, il faut... Mais vous allez me dire, mais TK, ça va pas ou quoi? Que je dis du bien ou du mal, vous me reprochez les choses. Faut savoir. Dans quel camp vous êtes? Des gens bien ou des gens pas bien? Si vous êtes des camps des gens bien, je suis en train de vous dire, il y a un minimum de compassion. Javel sans frontières, 4 euros. Pourquoi tu fais ta victime à défendre l'illégalité? Nous avons une demande d'amis. Nous avons une demande d'amis. Les gars, réfléchissez à vos propos, vraiment, c'est important. Ah non, non, moi j'ai fait mon devoir. Il y a certaines personnes ici dans le chat, ils croient tout connaître de leur famille. Ça se trouve, elles font des choses aussi qui sont illégales, tu sais, par rapport à la prostitution. Ils sont même pas au courant. Vas-y, je vais vous poser une petite question piège. C'est une question piège. Hein. Ta mère, votre mère, vous êtes tous au courant qu'elle travaille à l'usine. Ou elle est dans une cantine, ce que vous voulez. Femme de ménage, ce que vous voulez. Vous êtes au courant de son travail. Demain, elle arrive à vous annoncer. Parce que vous savez que chez vous, il y a des galères. Vous en êtes conscient, vous savez que le frigo n'est pas tout le temps plein, vous savez que des fois, il y a des loyers en retard. Tout ça, vous le savez. Et votre mère vient vous voir. Nous avons une demande d'amis. Si tu fais pas top, une tonne est gay. D'accord. Votre mère vient vous voir. Elle te dit, voilà, Jonathan, Brahim, ce que vous voulez, par votre prénom. Voilà. Il fallait que je te le dise, mon deuxième travail, c'est ça. Et elle t'explique pourquoi. Elle t'explique parce que j'ai pas le choix. Elle t'explique tout, elle te dit tous les arguments. Elle te dit, je te fais ça pas pour le plaisir, mais j'ai pas le choix. Voici mon deuxième métier. Tu fais quoi maintenant? Est-ce que vous reniez votre mère? Est-ce que vous la reniez? Ou vous prenez sur vous et vous comprenez? Tiens, je vais faire un sondage. Je soutiens dans ces moments difficiles. Merci. Vous voyez que vous comprenez? Hein, il faut juste bien vous convaincre avec des mots simples et c'est bon. Demain, la vie de ma mère, écoutez-moi bien, c'est pas une vanne. Hein. Demain, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous réveiller moins con. C'est un bon début, hein, c'est pas une vanne. Hein. Demain, quand vous posera ce genre de questions, et ben vous allez pouvoir répondre comme un bonhomme. Et à ce moment-là, moi, ça me va. Je pourrais enfin baiser sans payer. Et à ce moment-là, vous vous direz quoi? Vous vous direz, putain, ça fait du bien de penser comme les autres en général. Ça fait du bien d'avoir un peu son petit point de vue à soi-même. Et pas suivre un troupeau de moutons. Prends les clés, Yassa. Tu prends les clés? Ouais. T'es sûr? Ouais, prends. Y'a personne qui vient? Prends les clés. T'es sûr? Ouais. Elle m'appelle pas, elle dira... Prends les clés. Ok. Mais... Espèce d'handicapé de merde, va. Putain, tu fais flipper, là. Mais la tête de ma mère, c'est impossible. C'est impossible, son truc, il dure trop longtemps. Il dure trop longtemps, la putain de ta mère, la... Ah ouh. Jack the Ripper, 4 euros, lâche un peu fornit abruti, marre de la routine. Mais ferme ta gueule, va dire ça aux gens qui jouent aussi à tous les jours à GTA.
Va dire ça aux gens tous les jours qui jouent à FIFA. Tu les emmerdes pas, ces gens. Non, il faut que tu viennes chez TK parce que tu sais, TK, il va rien dire. Non, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ma gueule. Voilà. C'était malade ou quoi? Tous les jours, je me fais marcher dessus aujourd'hui, ça y est. Joue à Tortue Ninja avec Maître Splinter. Ta daronne, le Yeti de Amour Gloriette Beauté à... Redois, t'es frérot, un coup tu me défends, un coup je sais pas. Ah, c'est comme les gens, tu sais, des fois... Ah là là, les grosses tartes que j'ai envie de leur rentrer dans la gueule, c'est pas méchant. Quand il y a quelqu'un qui va argumenter ou qui va dire quelque chose et l'autre qui va répondre, ouais, ça doit être ça, ça doit être ça, ouais. Oh, comment je déteste les personnes qui me répondent ça. Quand je réponds des fois un truc sur Twitter ou ce que vous voulez, ça doit être ça, ouais. Mais c'est qui a inventé ce truc-là, là? Ça vient de qui, ça? Ça doit être ça, ouais. Ouais, si on suit ton raisonnement sur la prostitution, TK, ta mère en est possiblement une. Alors pourquoi tu le prends mal quand des personnes te disent fils de pute ou qui disent qu'ils baissent ta sœur? Ils participent au loyer, force à eux. Le lion, 3 euros. Salut, comment ça va ta mère, le tricératope? Ouais, bah ta grand-mère là aussi au passage, voilà. Jack the Ripper, 4 euros. J'étais assez mieux que ta crotte sale pointeur de merde. Attends, il faut juste laisser un vocal parce qu'on me laissait un petit message. Il faut vraiment que je réponde sincèrement. Parce que j'en ai marre aussi qu'on se foute de ma gueule. Nous avons une demande d'amis. C'est en Fortnite comme tes ex-couches remplies de sperme brun. Ta gueule, je coupe mon micro, hein, désolé. Hein. Nous avons une demande d'amis. C'est bon, tu as fini de programmer ton enlèvement de mineur. Eh, hey, Bicoque, mais t'es vraiment un sale fils de... T'en as pas marre de sortir des conneries de ta bouche? Sale gros porc, t'as pas compris que t'es pointeur jusqu'à l'os? Fortnite, c'est pour les gamins, forcément t'attires les gamins, que ce soit dans la vie réelle ou dans les jeux vidéo. Innove un peu, ça fait presque 10 ans que tu joues à cette merde. Je sais pas, innove-toi un petit peu, gros con. Alors lui... Bon, écoute-moi bien la chatte à ta mère, fils de... D'accord? Tu vois bien, je fais ce que je veux, d'accord? C'est mon live, c'est mon stream. Hein? Quand t'es en boulangerie, je vais pas venir te dire « Oh, innove, fais pas que t'es croissant !» Hein? Je vais pas te... Commence à me gaver, hein. C'est quand même grave. Putain, il vient me casser les couilles, hein. Lui aussi, lui, c'est pas la première fois qu'il me fait des dons comme ça, lui. Qu'est-ce que tu veux faire derrière ton écran là? Tu bouges pas de chez toi, va, sale pantouflard! Et la différence avec les boulangers, c'est que eux ils innovent, toi t'innoves pas! Actualise ton cerveau, hein! Je sais pas, y a pas que Fortnite dans la vie, hein! Ouais, bah oui, y a ta sœur aussi, sale fils de. Mais de quoi? Mais attends, mais il m'énerve lui déjà, mais de quoi je me mêle? Mais je fais ce que je veux! Si demain je fais un 10 heures de live et j'ai envie de passer 10 heures, et bah je les ferai les 10 heures! Ça me regarde que moi! Oh putain, mais il est casse-couille lui aussi, hein. Putain, il m'a jamais fait un compliment, cette tête de chien. Il m'a pas dit une seule fois ça va, c'est... Parce qu'il y a même, elle même pas ça va mieux. Putain, heureusement que t'es pas mon patron, toi, hein. Je te jure, j'aurais posé ma démission le jour même, hein. Je t'aurais balancé des clés dans la gueule, tiens, bim. La série télévision préférée de TK, l'Instit. Mais, nique ta mère, toi aussi, enfant de putain de ta grand-mère, l'incite, fils de... Mais allez vous faire enculer en ça, la tête d'homme, vous avez que ça dans la bouche, incite, surveillant, proviseur, pro... Ça y est, les gars, wesh. C'est bon, t'as raison, je vais innover, c'est bon, je vais innover. Merci de m'avoir fait grandir, je suis accro aux mineurs. Merci. Oh putain. Ah, le fils de... Ouais, bah, va te faire enculer, toi aussi, hein. J'ai bien entendu, là. Tu vas innover. Mais arrête tes conneries, tu dis de la merde, tu brasses de l'air, frère. Mais bon, je t'aime bien quand même. Allez, un petit paix pour la route. Allez, bonne route. Finalement, il est pas aussi méchant que ça. Et oui, c'est moi, le bouffon vert. Je suis démasqué. Bon, allez, bon live. Je te laisse tranquille, voilà. Yes! Yes! Enfin, yes! Oui! 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 Ah, je peux dormir tranquille sur mes deux oreilles! Putain! Ah, je connais quelqu'un qui va bien dormir ce soir! Ok. Si je fais Steam, si je fais ça. Si je fais ça, gérer, désinstaller. Donc là, j'ai désinstallé le jeu. Ok. Maintenant, parcourir. Ouais, mais regarde, ils me disent dans la bibliothèque.
Je l'ai déjà le jeu. Mais je l'ai déjà, putain, ça veut dire que même sur EA, je l'ai déjà. Je peux rien faire. Je peux même pas me l'acheter. Je l'achète ou pas? J'achète l'édition 99 euros ou pas? Ça m'a marqué récupérer les trucs du Ultimate Team. Je l'ai fait. Ça veut dire que le jeu, je l'ai payé deux fois. Je suis vraiment une grosse salope. Hein. Mais je suis vraiment une salope. Là, ça veut dire que j'ai fait... Je me suis pas... Bref, on va voir quand même, on va voir. En tout cas, le jeu, il s'est téléchargé. Il est en train de se télécharger. Et on va s'en rendre compte quand je vais acheter des packs. Si ça va marcher ou pas. Ah ben là, j'ai fait une grosse gaffe. Hein. Là, j'ai fait une grosse gaffe. Hein. J'ai vraiment fait une grosse gaffe. J'ai acheté deux fois l'Ultimate Team. Les gars, écoutez, hein. On va faire un truc. Deal. La modération, vous faites rien. Quand on va aller sur FIFA et que ça marche pas, vous avez le droit de m'insulter pendant une minute. De tout ce que vous voulez. Ouais, c'est bon. À chaque fois, je me fais baiser dans le jeu vidéo. Non, pas maintenant. Attendez, pas, m'insultez pas maintenant. Il y a un mec qui a dit, on t'insulte quand maintenant? On va retourner sur Fortnite ensuite. Je crois que je vous proposer Fall Guys après FIFA. Si ça marche, les gars, on continuera FIFA. Hein. Parce que moi, malheureusement, si je peux pas vous proposer FIFA, les gars, c'est uniquement parce que je peux pas acheter des points. Le hacker de YouTube, pourquoi tu m'as appelé The Chorizo 78? Il est où le rapport, le Chorizo? Pourquoi tu m'as appelé Chorizo? Tekeri 78 de 2025, 3 euros. Salut, je suis Jaouédé du futur. T'es toujours gros et célib. Oui, je suis toujours gros et je suis célibataire, oui, putain. Eh hey, mais les gars, vous en avez pas marre de toucher mon physique, bordel de merde? Non mais vraiment, est-ce que je suis aussi gros que ça? On dirait que je pèse 2 tonnes. Bon alors là, les gars, si ça marche pas... Mais non! Mais j'ai payé deux fois le jeu pour rien! Oh non, mais pas ça! Oh putain, mais non! Oh mais putain, mais pas ça! J'ai payé deux fois 99 euros! Ils m'ont donné 4600 crédits, tu veux que je fasse quoi avec? Je suis même pas sûr que ça marche! Ah si, ça marche! Ça marche! Enfin bref, vas-y, c'est pas grave, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Boah, Summer, je l'ai déjà! J'ai Griezmann! C'est bien ou pas? J'ai Griezmann! Oui! Trop bien! J'ai Griezmann! Déjà, on a eu première animation, hein. Portugal. Manchester City. Ah, double animation. Bernardo Silva. Je crois que le Bernardo Silva, je l'ai déjà des abonnés en ça. Hein. Allez, c'est parti, let's go. Attention. La France. La Liga. C'est qui? Real de Madrid. Tchouamini. C'est bien ça, hein. Un joueur du Real. Non, j'en ai marre, putain. Mais je viens de gaspiller, putain, mais c'est quoi ce truc? Mais j'en ai marre de me faire baiser comme ça à chaque fois, putain, 150 balles dans le cul. Rachète le jeu, mais t'es fou quoi, je l'ai déjà racheté deux fois. Voilà, je me retrouve avec un avec 150 euros dans le cul. Vas-y, nique sa mère, attends, je vais voir si j'ai pas un contact sur mon Steam. Je vais offrir un abonné FIFA et puis voilà. Au pire, vas-y, je vais l'offrir un au hasard. Kedna va choisir quelqu'un. Il va remporter les 150 euros. Allez dans un tent move sur mon nouveau Discord. Nouveau Discord, hein. Et je vais en prendre un au pif. Hein. Allez, c'est bon, j'en ai marre de me faire baiser la gueule. Ouais, ça fait au total 3 fois 150 euros, je me fais baiser. Les gars, putain, ils sont trompés. Les gars, pas le attente move de mon ancien Discord, le nouveau, hein. Attends, je vais leur laisser un petit message. Ouais, salut les gars, je sais pas si vous m'entendez, mais c'est pas ce Discord-là, c'est l'autre Discord. Donc, je vous invite à quitter, regardez dans le chat YouTube, quittez, et allez dans le nouveau Discord. Ouais, salut la communauté. Je vais en choisir un, attends.
Au pire, je peux en choisir deux, hein. J'en choisis deux. Comme ça fait 75 euros chacun. Comme ça fait deux FIFA. J'en prends un ou deux, les abonnés. Ouais, deux, c'est mieux, comme ça fait 75 euros chacun. Parce que là... Alors, je regarde, il y a qui vite fait dans le truc. Putain, là, je commence à me casser les couilles, je te jure. Tu vois, ce genre de bail commence à rendre mauvaise humeur. Après, attention, hein. Avec... Attention. Je suis en train de vous dire FIFA. Vous faites ce que vous voulez, hein. Avec les 75 euros, hein. Si t'as envie de t'acheter, je sais pas, moi, le Season Pass, un exemple, hein, de Fall Guys, tu t'achètes ce que tu veux, hein. Il y a un problème de serveur sur PC. Non, Apex, non. Tout à l'heure, ça a marché, frérot. Ça casse les couilles, frérot. J'ai toujours le même problème. Dès que je vais acheter des points FIFA, frérot, ça marque une erreur. Ça y est, wesh. En plus, le jeu, je l'ai acheté deux fois. C'est bon, ça m'a saoulé. Je te jure que ça m'a gavé, les trucs comme ça. Ça y est, FIFA, je te jure, ça y est, c'est pire qu'un casino, le truc. C'est trop addict. Il aurait fallu qu'Edna... Kedna. Il aurait fallu, si c'est possible, dans la mesure du possible, de prendre une fille et un garçon. C'est moi. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Tu m'entends? Bah, vas-y, on va faire ça. Tu choisis une fille dans la tente mouf chez nous. Ouais, et un mâle, et un garçon. Ouais, tu choisis toi. Tu les choisis les deux, comme ça, moi. Ouais, je vais choisir. Bah alors, Célia, elle est où, Célia? Je la vois pas. Célia. Coucou, Ravage, au passage. Je t'ai même pas dit bon salut. Si, c'est Célia, la femme... La future femme de TK. Non... Elle est là? C'est celle que tu... Non, j'ai rien dit, pardon, excuse-moi. Et après, il y a The Big Cricox. Vas-y, attends, j'ajoute un ami déjà. Putain, j'ai failli la bloquer. Célia, ouais. Ajouter, voilà, c'est fait. Et l'autre, c'est qui, tu m'as dit? The Big Cricox 75. D'accord. Du coup, je vous ai ajouté un ami, tous les deux. Célia... Et l'autre, je vous ajoute un ami sur Discord, vous m'acceptez. Vous me donnez vos idées de Steam. Et je vous envoie le jeu que vous souhaitez. Vous prenez ce que vous voulez, c'est à vous. C'est pas à moi. Je te jure, comment je suis dégoûté, comment je tombe de haut. J'étais tout content tout à l'heure et frérot, au final, tu... Ça a aucun sens. Après, attention, ça se trouve, ils voteront pas des sous. Ils vont dire, ouais, je laisse ma place, hein. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui disent non, j'en veux pas, je laisse ma place, je voulais juste te parler, TK. Je te jure. Hein. Je vais éteindre ce putain de jeu de merde. C'est de la merde. Le jeu, c'est de la merde. Moi, je suis une merde et ma vie, c'est de la merde. Voilà, c'est... Tu peux pas... Je te jure, dans la vie, vous avez des galères, comme tout le monde. On a tous des galères. Mais tu peux pas être aussi poisseux que moi. Si t'es autant poisseux que moi, c'est que t'es maudit. On t'a jeté un sort pire que Harry Potter. C'est un truc de ouf. Ah ça, oui, à ce point, frérot. À ce point. Pour que j'achète une fois le jeu, que je me ramasse une carotte, que j'achète deux fois le jeu, que je me fasse carotte, j'achète des points, je me fais carotte. Frérot, c'est plus une malédiction. C'est plus une malédiction, c'est quelque chose de grave. Dans ma chambre, il y a quelque chose qui me porte les rines. Ça se trouve, c'est moi-même qui me porte la poisse. Je fais une dernière tentative, mais l'ultra. Hein. Je fais l'ultra dernière tentative. Ça marche pas, je vais me faire enculer. Bon, c'est bon, frérot, ça y est, wesh. T'achètes un jeu, je sais pas combien. The Kerry. Sur console, ça m'aurait pas fait ce problème. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein, j'abandonne. Hein. Je désinstalle le jeu. Ça sert à rien, il va me servir à rien, le jeu. Parce que je peux même pas acheter de points. Je vais le désinstaller, c'est pas grave, ça fera de la mémoire en plus. Ça me dégoûte, je te jure, j'ai envie de me foutre en l'air. Tout le monde joue à FIFA, tout le monde est tranquille. Tout le monde joue entre potes, tout marche bien. Moi... Attends, la vie de ma mère, attendez, il y a un petit message. Vous avez joué 6 heures, recommandez-vous ce jeu à d'autres personnes? Oh là que non. Voilà, c'est bon. J'ai mis... C'était simple, jeu de merde. C'est de la merde. Je te jure, c'est démotivant. Ça sert strictement à rien. De toute façon, le jeu, je les touche plus. Nique sa mère. Nous avons une demande d'amis. Et voilà. J'ai laissé un colis devant ta porte, va voir. Caca. Jure-le. Et j'espère que c'est pas une connerie, hein. Eh, la vie de ma mère, c'est grave. Bon, je sais que c'est pas toi, hein. Eh, je sais que c'est pas toi.
La personne qui m'a dit va voir devant ta porte, je sais que c'est pas toi. Oh, celui qui a volé mon paillasson, sa mère la grosse... C'est extrêmement grave, la tête de ma mère, c'est extrêmement grave. Vous volez des paillassons aux gens, les Rey. Sincèrement, tu vas en faire quoi avec mon paillasson? Tu vas faire quoi? Mais c'est un truc de ouf, la vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Oh là, hey, heureusement, mec, tu m'as dit, va voir devant ta porte. Devant ma porte, y'a rien, y'a aucun colis, y'a rien. Mais j'ai plus mon paillasson, wesh. C'est un truc de baiser, quand même, de... Pff. J'ai pas les mots, là, je suis poisseux. Vous me fatiguez, des fois. Hein. Le mec qui m'a volé mon paillasson, là, par contre, ça peut être qu'un jeune, hein. Je vois pas un taron faire ça, je vois pas. Le mec il a dû... non c'est dimanche, le mec il a dû dire quoi? Tiens demain c'est la reprise des cours, j'ai rien à faire. Au lieu de sortir prendre l'air ou faire du sport, aller voir des potes ou me faire un petit FIFA ou un Call of Duty ou un Fortnite. Non, je vais taper des kilomètres pour aller jusqu'à TK, lui voler son paillasson et je me rebarre. Marque-le dans ton CV s'il te plaît hein. Hobby, ça tiens les hobbies, les loisirs. Je passe mon temps à me voler les paillassons des gens. Fils de pute, enfant de putain de ta mère, va. C'est grave.